aux grands hommes les grands moments. Il faut bien comprendre qu'en cette fin du XIXe siècle, la toute jeune République a hérité une police qui est déconsidérée, une police qui vient du Second Empire et qui est complètement inadaptée et absolument pas formée, étant majoritairement constituée d'anciens militaires. Dans ce contexte, une nouvelle criminalité se dresse, une criminalité qui représente les nouveaux enjeux de cette jeune République qui est menacée d'un point de vue politique et social par les extrêmes et qui doit répondre à cette double nouvelle criminalité. Face à ce phénomène, un homme va être providentiel et cet homme est le préfet Louis Lépine qui, lorsqu'il va prendre ses fonctions, va savoir répondre à l'urgence d'une population qui aura besoin d'être rassurée. Et pour ce faire, il va réformer et mettre en place une police d'abord qui sera formée, qui sera organisée et qui saura répondre aux besoins de la population. Nous avons une vague d'attentats anarchistes à la fin du XIXe siècle. Par exemple, en 1892, une bombe explose dans le commissariat de la rue des Bons-Enfants, faisant 5 morts. Et la même année, Ravachol commet 2 attentats terroristes rue de Clichy et boulevard Saint-Germain. Les Parisiens, ils se sentent aussi menacés par des criminels, notamment par les Apaches, qui est une bande de jeunes qui commet beaucoup d'actes de violence gratuite, des vols, etc. Alors Louis Lépine, il va être nommé le préfet de la rue, parce qu'il fait tout pour rapprocher la police de la population. Par exemple, une de ses premières mesures, c'est de créer un service des objets trouvés. Ensuite, il va aussi tout faire pour réorganiser et fluidifier la circulation, en instaurant notamment les passages piétons, les sens uniques, les sens giratoires. Il crée aussi la première brigade cycliste pour assurer la sécurité des rues de Paris la nuit. On appelle ces brigades cyclistes les hirondelles du fait de la marque de leur vélo. C'est lui aussi qui va créer la première brigade fluviale pour assurer la sécurité des voies navigables de Paris. Il crée aussi la première brigade cynophile pour assurer la sécurité des rues de Paris, pour lutter contre les cambriolages et pour aider la fluviale aussi à repêcher des gens qui auraient pu tomber dans la Seine. Louis Lépine, il crée aussi un concours exposition. C'est ce qui deviendra le fameux concours Lépine qui aujourd'hui récompense les meilleures innovations. C'est aussi lui qui a créé le musée de la préfecture de police en 1909 et le musée était situé à l'origine au 36 quai des Orfèvres. Et cette nouvelle police va ainsi rétablir le lien de confiance entre la population et sa police. Et c'est ce tour de force que va réussir Louis Lépine, un maintien de l'ordre pour la population en assurant et en rétablissant un respect de l'ordre.